Opal, c'est une marque de vêtements que j'ai co-créée avec mon associé Mathieu. On l'a lancée en 2017, donc là ça fait 3 ans plein d'activités. Le concept avec Opal, c'est de faire des vêtements recyclés, fabriqués le plus localement possible. Donc on travaille à 90% en France et 10% au Portugal. Quand on dit vêtements recyclés, l'idée en fait c'est de collecter des matières. Donc on identifie des gisements de matières qui sont abandonnés et voués à être jetés. Ces matières-là sont recyclées, donc on ramène ces matières à l'état de fibres. Et à partir de ces fibres, on refait un fil, on refait un tissu et on refait un vêtement. Donc l'objectif avec Opal, c'est de faire les vêtements avec le plus bel impact sur l'homme et la planète, puisqu'on va essayer de préserver au maximum l'environnement et de construire des écosystèmes locaux grâce à des ateliers de fabrication toujours très très proches de nos bureaux à Biarritz. Avec Opal, on s'est installé à Biarritz pour deux raisons. Il y avait un point de vue professionnel, puisque le cadre du Pays Basque, ça correspond vraiment à l'image de marque qu'on a avec Opal et cette inspiration un petit peu surfwear. Et d'un point de vue perso, c'est simple, on est à 50 mètres de l'océan. Donc quand il s'agit de profiter des grands espaces, profiter de l'océan, c'est quelque chose qu'on peut faire super facilement au quotidien. En arrivant au Pays Basque, début 2018, c'était super parce que on ne connaissait pas trop la région. Donc on a rencontré François qui, via Basque Invest, nous a déjà trouvé un hébergement à Olatoulekou. Donc pour une entreprise qui se lance, c'est super d'avoir un pied à terre dans une région qui reste à découvrir. Courant 2019, on a eu la chance d'ouvrir un magasin en face de la Grande Plage à Biarritz. Et là encore, on a plein de personnes à découvrir, il y a plein de réseaux qu'on ne connaît pas. Donc c'est chouette qu'on a une personne qui peut nous introduire auprès de réseaux, auprès de personnes, en nous disant vous devriez échanger sur ces sujets-là. Ça fait gagner un temps fou. Et quand on est une entreprise, le temps, c'est ultra précieux. Donc c'est bien d'avoir des personnes qui vous font gagner du temps.